bienvenue à la vidéo de Jacob and Adam Adventures. Aujourd'hui, nous allons goûter les produits à compagnie Baiser de chocolat, spécialité brésilienne. C'est compagnie québécoise. On dit merci à ce compagnie de nous en laisser assez leurs produits. D'abord, qu'est-ce qu'on a ici? C'est des bonbons brésiliens. Ouais. J'ai hâte de goûter ça. Ça, c'est du... C'est du chocolat. Ouh, du chocolat brésilien en plus. Oh ouais. Puis ici... On va vous montrer à l'intérieur. Vous pouvez juste acheter online. Oh my god! Ouais. Regarde ça! Oh my god! Regarde ça! C'est ici le chocolat avec les boules de chocolat. Ok, là, tu taches dessus. On va dire vraiment les saveurs. Donc, toi, tu vas les prendre puis je vais les. Ouais. Ici, on a petit bisou. Petit bisou. Ouais. C'est ça ici. C'est chocolat blanc à la noix de coco avec grignard de noix de coco. Oh, ça a super bon. Ici, c'est celui-là. C'est traditionnel, c'est l'original. Chocolat noir avec graniture de pépites chocolatées. Super bon, là, sérieusement. Après, deux amours. Ça, c'est celui-là. Moitié-moitié de chocolat noir et petit bisou avec grignature de sucre. Super bon, ça. Après, ici, parce que... On sait pas c'est quel lui. Donc, ça, c'est peut-être foncé ou c'est peut-être éclaté. On va goûter pour savoir. Pistache, c'est celui-là. Donc, on a pistache, chocolat noir avec grignature d'éclat de pistache. Après, on va aller en bas. Oui. Donc, passion d'amande. Chocolat noir et grignature de... Ouais, puis de coupeau d'amande. Puis le dernier, c'est Grenoble chocolat noir avec grignature de noix de Grenoble. Ça a l'air super bon. Et là, on va les essayer. Là, tu pourrais dire quel qu'on va essayer. Ouais. Donc, en premier, on va essayer petit bisou. Chocolat blanc. Oh my god. C'est le seul chocolat blanc. Ouais. C'est le seul chocolat blanc qu'on a. Il y a la crème. Oh my god! Oh my god! Ça goûte le noix de coco. Mm-hmm. Oh. Oh my god. Super bon. Chocolat blanc. Oh my god, c'est bon. Je goûte le chocolat blanc. Mm. Crémeux. Oh oui. Le dehors, c'est noix de coco. Noix de coco. Mm. Oh ouais. Oh, j'adore ça. C'est assez goût, là. Moi, ça va être mon préféré. Bon. Ouais, totalement. Oh, je vais prendre l'autre, mais c'est pour le moment. Donc ici, on va essayer traditionnel. Celui-là, c'est chocolat noir. Ouais, il y a des petits morceaux de chocolat noir dessus. Oui, c'est hot. Ouais, il y en a un. Ouh, chocolat dedans. Voilà. Je pense que je m'en préfère celui-là. Oh my god, chocolat. Oh my god. Là, en tout, c'est des bonbons. Ouais. Le dedans, c'est du chocolat. Ah, le meilleur chocolat. Oh my god. J'ai jamais goûté. Ouais. Quasiment mon préféré chocolat que j'ai jamais goûté dans le monde. Tu sais, genre. C'est sûr que c'est brésilien. Ouais. Ça m'étonne que c'est mon préféré. Oui. Donc là, on va essayer. C'est peut-être foncé, mais on sait pas. Ouais, non. On va voir. Si ça goûte. Si ça goûte comme ça, Oh, ça a l'air super bon. Ouais. Des boules. Ah, le chocolat est meilleur. Bon, on a dit le chocolat qu'on goûte maintenant. Goûte un mini, un petit donc, comme notre chocolat. Celui-là, c'est. Éclaté. C'est ça. La goût comme éclaté, juste. Ouais. Ça. Oh my god. Ça met pas beaucoup le goût chocolat. Ouais, oh. Sûrement. Ok, là, on va essayer pistache. Pistache. Il y a des pistaches dessus. Ouais. Oh my god. Wow. Je vais dire que c'est mon préféré. Mm. C'est mon préféré.
Les pistaches sont délicieuses. Le chocolat dedans, donc genre comme du la crème glacée comme un petit peu comme, fondue. C'est comme même pas comme le pistache. C'est comme des morceaux de chocolat dur. Oh my god. Je vais essayer. Ça m'étonne. C'est quel celui-là? Oh oui. Passion d'amande. Celui-là, c'est chocolat noir. Super, super. Oh, des amandes dessus. Oh my god. Mon préféré. Les amandes sont vraiment comme minces. Oh ouais. C'est quand même tellement bon. Le, j'ai c'est eu bon. Dans ma bouche un amande qui est rentré dans le chocolat. Je l'ai croqué ensemble puis ça goûte le chocolat aux amandes. Totalement. Oh, ouais. Oh j'adore ça. Moi je n'achèterai encore. Ouais. Donc, le avant-dernier, c'est Grenoble. Ça, c'est celui-là. Oui. Donc, il y en a juste un, donc on va le couper en quatre. Prends-lui. Et voilà. Oh my god. Wow. C'est proche de mon côté. C'est vraiment proche. OK. Es-tu prêt? J'aime le chocolat. Il est liquide, genre. Ouais. Il a un super bon goût avec. Donc, le dernier n'est pas le dernier parce qu'on a encore le chocolat. Ouais. Lui que l'ail le plus bon, deux amours. Il y a du sucre dessus. Moi, j'adore ça. Oh, j'ai hâte de goûter. Oh, ouais. On va juste en dire Il y a juste un dans mon coupé en quatre. Oh! Non! On va mettre en voilà. Oh my god, mon préféré. Wow. Vanille. Chocolat. Ah, je vais dire c'est mon préféré. Ouais. Ouais, totalement. Oh my god. Je regarde encore les cocos. Les. Notre coco. Parce que. Oh, ok, ben. C'est moitié-moitié. Ça dit moitié-moitié parce que y a deux couleurs. Wow. Wow. Ce chocolat est délicieusement. Ouais. J'adore ça. Et je dois dire quoi faire quand vous les commandez puis tu les reçois. Ouais. Conserver au réfrigérateur, placer la boîte de Brigadeiro, ça s'appelle ça. Ouais. À l'intérieur d'un sac de plastique à fer noir. Hermétique afin d'en maximiser la fraîcheur. 30 minutes avant de consommer. Combine parfaitement, ben, c'est consomme idéalement à l'intérieur de 7 à 12 jours suivant la date de fabrication. Se combine parfaitement avec un café ou votre boisson chaude préférée. Wow! Nous, on l'a juste pris comme ça, ouais. Mais vous pouvez le prendre avec votre boisson chaude comme ouais. Chaud. Café, sticks, café. Il y a plein d'affaires que vous pouvez faire ouais. Pour les goûter avec. Là, on va aller au chocolat. Chocolat. Et là, on va goûter le chocolat. Ok. Ah, ça sent comme ça. Oh my god. Oh. Il y a beaucoup, je goûte beaucoup de cacao. Là, c'est mon préféré. Dans tout, c'est mon préféré, ça. Totalement. Ah ouais. C'est vraiment, le goût, c'est vraiment comme genre crémeux. On va dire ouais. Du chocolat crémeux. Ouais. Et c'est juste un goût. Ouais, il y a comme cacao. J'ai jamais goûté ça avant. C'est comme des crèmes, mais crémeux. C'est comme du chocolat crémeux. Ouais. C'est tellement bon. Mais c'est tellement baiser de chocolat pour nous apprendre toutes les différents. On a appris la culture. Ouais. Puis aussi, on peut mettre ça sur la crème glacée. Ouais, on a goûté des chocolats de différents pays. Ouais. Et pour mon honnêteté, j'aime plus leur chocolat que notre chocolat. Ouais. Car je pense que c'est juste quelque chose de plus. C'est comme cool et une belle expérience ouais, de savoir le chocolat de nos pays. Merci tellement. Sérieusement, c'est délicieux. Vous devez les essayer. Ah ouais.
like, subscribe, follow me on the channel. Bye!